comment faire pour trouver vos clients en freelance ou pour développer votre business de coaching, de consulting ou de conseil lorsque vous n'êtes pas ou si vous n'êtes pas un géant de votre marché, un leader de votre marché, une entreprise qui a pignon sur rue, une multinationale ou si vous n'avez pas le même budget que les poids lourds de votre industrie. C'est la question à laquelle on va répondre ensemble dans cette vidéo. Bonjour, je suis Zico Kiax, entrepreneur, auteur de formation best-seller et fondateur de Kiax Academy. Et dans cette vidéo, je vais vous partager trois erreurs qui sont commises bien trop souvent par les prestataires de services ou les entrepreneurs dans le monde du conseil lorsqu'il s'agit de trouver des clients. Et lorsque vous découvrirez ces trois erreurs, je vous montrerai aussi comment les éviter et quoi faire pour pouvoir trouver des clients et développer l'activité qui est importante pour vous. Juste avant d'entrer dans le vif du sujet, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, je vous remercie infiniment d'être là. Je partage plusieurs stratégies. Je vous invite pour ne manquer aucun partage à vous faire deux choses. Première, c'est de cliquer sur le bouton rouge qui est ici là, s'abonner, voilà. Et ensuite de recliquer sur la cloche qui apparaîtra pour être informé des prochains partages. Si au moment où vous suivez cette vidéo, vous êtes dans le business de la transformation, vous êtes freelance, prestateur de services, dans le coaching, dans le conseil, peut-être que vous êtes en profession libérale, thérapeute et dans le mieux-être et vous créez de la valeur ajoutée pour les autres coachs, consultants. Mais vous vous demandez comment trouver les clients parce que vous avez peut-être du mal à trouver des clients et vous dites « si je ne trouve pas des clients pour le moment, c'est peut-être normal, c'est la crise, il y a la conjoncture économique n'est pas favorable, donc ça bloque, ça coince et c'est normal ». Si vous arrivez de penser comme ça, c'est une première erreur. La première erreur qu'on commet trop souvent, c'est de penser que les clients ne sont plus là, n'existent plus. Il y avait beaucoup de clients hier, il y aura des clients demain, mais aujourd'hui, là, là, à l'instant T, il n'y a plus de clients. Ils ont déserté. C'est souvent ce que les gens, ça paraît fou et aberrant de penser à ça, mais c'est souvent ce que les gens pensent lorsqu'ils vivent cette situation. En se disant, les gens n'achètent plus. Combien de fois l'avez-vous entendu? Les gens n'achètent plus. Les gens trouvent que c'est trop cher. Les gens sont devenus méfiants. Les gens n'ont plus envie de ça. Les gens n'ont plus cet intérêt. Toutes ces questions-là, quand on y pense, vous desservent. En réalité, quand vous êtes dans ce mode de pensée-là, vous vous dites que si c'est comme ça, ce sont les éléments extérieurs qui sont responsables. Donc, je n'ai pas le contrôle, c'est hors de ma zone de contrôle. Donc, je ne peux pas agir, je ne peux pas changer les choses puisque c'est comme ça. C'est la crise, c'est la conjoncture économique, c'est les gens n'ont plus de moyens, c'est le climat, le terrorisme qui fait que tout le monde a peur, c'est le froid, le vent, bref, toutes ces choses qui vous desservent. Alors, je vais vous poser une question, si vous vivez cette situation, bien évidemment. Et répondez honnêtement par rapport à vous-même pour vous servir. Ça vous servira vous-même. Et je voudrais que vous posiez la question suivante. Observez autour de vous. Y a-t-il au même moment d'autres entrepreneurs qui enregistrent une croissance? Y a-t-il d'autres personnes dans votre profession, dans votre marché, sur votre marché qui, elles, remplissent leur carnet de commandes, développent leur clientèle, développent leur patientèle? Est-ce que dans votre région, dans votre ville ou même ailleurs, vous connaissez des personnes de près ou de loin qui le font? Si vous dites non, c'est peut-être un peu de mauvaise foi. En revanche, si vous êtes simplement honnête vis-à-vis de vous-même et même si vous ne les voyez pas physiquement, la réponse sera souvent oui. Si la réponse est oui, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les clients existent, ils sont toujours là. Ils ne sont peut-être pas chez vous, ils sont peut-être partis de chez vous ou ils ne sont jamais venus, mais ils sont bel et bien là. C'est la première des choses qu'il faut comprendre pour corriger cette erreur. De réaliser que les clients sont là. Il y a une abondance de clients. Et ses clients sont prêts à investir. Seulement voilà, voici la bonne question à se poser. Pourquoi ne sont-ils pas là avec moi? Pourquoi ne me trouvent-ils pas? Là, quand vous faites ça, c'est vous qui prenez le contrôle. Vous devenez responsable de ce qu'il faut changer, de ce qu'il faut modifier pour pouvoir trouver ses clients, les attirer à vous. C'est donc un mode de pensée différent qui fait en sorte que vous reprenez le contrôle. C'est peut-être votre message qu'il faut adapter. C'est peut-être votre offre, votre produit, votre service. C'est peut-être un autre paramètre. Ou c'est peut-être même la cible ou la façon de présenter les choses qui doit être adaptée. Mais quand on est dans ce mode de pensée-là, on n'est plus dans cette erreur parce qu'on reprend le contrôle. Je vous invite donc maintenant à faire ceci. Pendant que vous suivez cette vidéo, c'est de vous dire déjà, OK, quels sont les éléments ici, si je ne trouve pas de client, que je peux modifier? Déjà maintenant, il y a quelque chose probablement que je peux améliorer. C'est quoi? Et là, vous revenez sur vous pour corriger quelque chose qui est dans votre zone de contrôle. Ensuite, deuxième erreur que l'on fait souvent lorsqu'on veut trouver des clients dans le domaine justement du conseil, quand on est prestataire de service, c'est de vouloir trouver les clients en parlant de soi, de son titre. Lorsqu'on est par exemple dans un événement où on est face à des clients potentiels, où on est même sur son site internet, où on envoie des emails, peu importe, dans sa communication, on va parler de soi, de sa profession pour que les gens nous disent « oui, j'ai besoin de ça ». J'ai besoin de cette profession pour m'aider à résoudre ma difficulté. Imaginez, vous êtes
ostéopathe et vous dites, moi, je suis ostéopathe renommé, j'ai un cabinet là ça fait autant de temps que je pratique, je suis à telle adresse, j'ai des bons tarifs, vous êtes remboursé ou pas, peu importe. Bref, vous parlez de vous, vous parlez en réalité de votre profession, vous parlez des titres et certaines personnes parlent même de leur certification et de tout ce qui n'intéresse pas vraiment vos futurs clients. Si vous parlez de ça, il y a une minorité de clients qui vont vous trouver. Si vous parlez de vos titres, il y a évidemment toujours des clients qui vous trouveront parce qu'ils sont déjà bien avertis. Ils savent que quand j'ai tel type de symptômes ou j'ai tel type de douleur ou j'ai telle difficulté dans ma vie ou dans mon business, j'ai besoin de trouver tel type de personne pour m'aider précisément. Mais sachez que pour l'autre grande majorité de vos futurs clients, ils ne savent pas encore. Ils ne savent peut-être même pas précisément que c'est votre activité, votre spécialité dont ils ont besoin pour soigner et soulager leurs difficultés qu'ils rencontrent dans leur vie personnelle ou dans leur business. Donc si vous rendez la tâche difficile en disant « moi, je suis » et vous sortez un mot ou un nom ou un terme très complexe que seuls les gens du métier, du jargon ou les gens qui sont déjà à la recherche connaissent, vous ne communiquez pas à toute l'autre catégorie des personnes qui ont pourtant besoin de vous. Voici ce qu'il faut faire. Il faut parler pas simplement de vous, de votre titre, mais de ce que vous faites pour les autres. Vous parlez de ce que vous faites pour les autres en termes de résultats, en termes de transformation. Et vous décrivez cette situation en quelques mots, en quelques phrases. Par exemple, moi, j'aide les telles personnes à soulager telle difficulté ou à transformer cette situation en celle-ci lorsqu'ils rencontrent telle ou telle situation. Et là, s'il y a 1000 personnes face à vous sur votre site internet, par email ou ailleurs, lorsqu'elles entendent ça, elles n'ont pas besoin de se dire « moi, j'ai besoin d'un professionnel de la santé, d'un coach sportif, j'ai besoin d'un entrepreneur dans le business, j'ai besoin d'un business coach, j'ai besoin d'un formateur ». Elles n'ont pas besoin de penser à tout ça. Elles ont juste besoin de penser à cette douleur, cette difficulté-là, cette personne-là peut la soulager. Elle le présente, elle l'explique d'une façon tellement bien claire que c'est absolument là que je dois aller. Et rien qu'en faisant ça, vous ne tombez plus dans cette erreur de l'expert qui a besoin absolument de se soulager, de se satisfaire ou de se faire plaisir ou de se rassurer en parlant de tous ses titres ou de ses fonctions ou de son ancienneté. Mais là, vous êtes vraiment orienté sur votre futur client. Il l'entend et il est attiré. C'est comme ça que vous réussissez à trouver aussi des clients. Et puis, troisième erreur à éviter, c'est la plupart des entrepreneurs dans le domaine justement de la prestation de services, du freelance, du coaching, du conseil, lorsqu'ils veulent développer et trouver leur clientèle, ils emploient des techniques, des tactiques d'un autre temps. Celles qui sont super épuisantes, qui demandent ici des investissements qui prennent des mois ou même parfois des années avant que ça fonctionne. Et ce n'est pas de leur faute, c'est par exemple aller dans tous les événements pour déposer des cartes de visite, aller faire du networking un peu partout en espérant qu'on vous rappelle après avoir déposé des cartes. En pensant créer un super grand site internet vitrine, en pensant que le seul site internet, le seul fait qu'il existe fera en sorte que les clients vous trouveront, en allant faire des référencements, du référencement qui dure des mois et des mois, en publiant des articles de blog pendant des mois et des mois avant que Google puisse le découvrir. Et tout ça, pendant tout ce temps-là, vos vrais clients qui ont besoin de vous ne peuvent pas vous trouver. Et ce n'est pas de votre faute parce que ce sont les techniques et les tactiques qui sont toujours enseignées ici et là. Elles étaient bonnes, elles sont encore bonnes pour, dans certains cadres, dans un certain contexte, mais elles sont souvent d'un autre temps. Et aujourd'hui, il y a une possibilité de transformer de parfaits inconnus en clients haut de gamme en utilisant simplement des stratégies simples comme par exemple stratégie publicitaire, vous envoyez vers une présentation que vous faites, que vous délivrez et ensuite vous échangez avec les futurs clients en étant toujours concentré et orienté sur leur situation en les décrivant, pas en parlant de vos titres, mais en décrivant leur situation. C'est comme ça que parviennent à faire la différence les entrepreneurs, les freelance, les consultants, les coachs, nouvelle génération qui parviennent à faire cette différence. Et même ceux qui exercent depuis des décennies, qui ont suivi cette nouvelle tendance, ont changé radicalement leur flux constant de clients. Ils savent trouver les clients, ils savent les attirer et ils savent leur apporter de la vraie valeur ajoutée. On a donc vu trois erreurs très souvent commises quand il s'agit de trouver des clients. La première erreur, c'est de penser qu'il n'y a plus de clients et que les situations, les circonstances externes sont au contrôle de tout. Donc, ce n'est pas notre faute, on n'a pas le pouvoir.
Or, on sait qu'il faut reprendre le pouvoir et te dire il y a probablement quelque chose que je dois faire, que je peux faire différemment pour améliorer ça, parce que les clients, quoi qu'il arrive, ils existent, ils sont là. La deuxième erreur, c'est de se présenter, voire trouver les clients en parlant de sa profession, donc en allant simplement en s'adressant aux personnes qui sont déjà très informées, avancées, qui savent exactement ce dont elles ont besoin, au lieu de parler aux personnes en proposant de s'adresser à leurs douleurs, aux difficultés qu'elles rencontrent et en leur proposant une solution. Et puis, troisième erreur, c'est d'utiliser des techniques, des tactiques d'un autre temps qui demandent des mois, voire des années avant de pouvoir porter leurs fruits. Si vous avez apprécié cette vidéo et que vous voulez savoir comment nous faisons en interne pour transformer de parfaits inconnus en clients haut de gamme qui investissent des montants allant de 3 000 à 200 000 euros, même si vous n'êtes pas une star de votre marché, une célébrité sur votre marché, vous n'êtes pas une autorité, vous n'êtes pas une multinationale ou une entreprise avec un énorme budget, je vous invite à participer à un atelier digital dans lequel je vais vous montrer exactement le système complet. C'est un système avec 5 points, 5 gros blocs que vous pouvez mettre ici en place dans votre activité pour attirer les clients de façon prédictive et précise tous les jours de votre vie. Attirer de nouveaux clients pour leur apporter de la vraie valeur ajoutée en évitant les 3 erreurs que je vous ai partagées et puis les autres erreurs également que je vous partagerai dans cet web atelier. C'est une invitation gratuite. Vous pouvez cliquer sur le i comme info si vous êtes sur YouTube où tout est indiqué dans la description. Je vous envoie toute mon amitié, mes meilleurs vœux de succès et de liberté. Et si vous avez apprécié cette vidéo, pensez à me le dire en appuyant le pouce vers le haut juste au bas de cette vidéo, le j'aime. Ensuite, pensez à vous abonner si ce n'est pas encore fait et puis laissez-moi au bas de cette vidéo un commentaire, un élément que vous avez retenu pertinent. J'aurai beaucoup de plaisir à vous répondre, même peut-être à créer une vidéo spécialement dédiée pour répondre à votre question. Je vous envoie mes meilleurs vœux de succès, d'amitié, de liberté. C'était Zico Kiax. À très bientôt. Merci.